Alors deux shish kebab, trois panini. Ça pourrait. Et la kefta. Mais c'est impossible. Grand vent qui vient d'où Il vient de là-bas. Il vient de l'herbissière Jean-Michel. Attends, j'ai mieux. Il faudrait quelque chose d'énorme pour arrêter le vent. Mon pisseur, peut-être. Tu n'as rien de plus énorme, la route. Allez, on y va. Si vous dites cotte de maille, c'est comme si je dis que vous avez un chapeau en chaussure. Une cotte, c'est ça. Salut les gars. Je vais ici. Non, je sais. Les doigts sur la corde. Bien le coude à côté, tends bien la corde de toutes tes forces. Allez, tire. Ouais, on va aller au marché.
Les beignets, voici immortel. Le home, en fait, il n'est pas posé sur la tête, il tient en équilibre calé avec tout ce qui est posé sur un crâne. La journée, on ne voit pas. Il y a des racines. Bon, c'était douteux. La matière, c'est du charme. Hein. Là, je le pose. Si je veux mettre les deux grosses boules, j'obtiens l'effet palpé. On le voit ici. Il ne sera pas trop pinçant. En pleine action. Parce que quand je mets la balle sur la table, en réalité, je ne mets pas sur la table, je la garde dans la main. Mais vous, si vous me dites que la balle est dans ma main, elle n'est pas dans ma main. Si vous me dites que la balle est sous le gobelet, elle n'est pas sous le gobelet. Et si vous me dites que la balle est sous la table, elle est sous le gobelet. On a des pierres comme ça, vous voyez, c'est de la nature. Hein. D'un côté c'est vert et de l'autre côté c'est bleu, et c'est le bleu qui pourrait m'intéresser. Et la jury qui donnait un très très joli bleu. On va expliquer alors à notre amie Clara. Qu'est-ce que tu m'as dit, j'ai oublié déjà. De terre vernissée, parce qu'on est au Moyen-Âge, je ne sais pas. Soit il y a des flaques de mât, et sur lesquelles on broie les pigments un petit peu, pour qu'ils soient plus doux, plus... Allez, on va.
Voilà, il y est. Également un voilà, allez, on applaudit le monsieur. Par terre, par terre, par terre. C'est également un instrument à archer. Et on le considère un petit peu comme un organisme plus simple, sans le mécanisme. Alors, l'iris des marais, ou son vrai nom, ça s'appelle la massette. Et quand ça va sécher, la massette, là, ça va devenir un peu comme de la paille, tu vois. Mais viens, alors, allons, Marie-Croix, viens. On va aller là-bas. Pour la... Changer toutes les bobines. Oui. Oui, ça c'est cool. Arrive. Oui, parce que l'angle il est assez fermé, l'angle entre le fer et le manche. Tiens la chaîne, s'il te plaît.